facilité de gestion. Donc, en cas de CLE, fonds d'investissement, finance le capital des fonds propres de la société. Lorsque je dis le financement du fonds propre, c'est le financement du capital et du quasi-capital. Le capital, c'est-à-dire qu'on finance des actions. Et lorsqu'on dit on finance le quasi-fonds propre, on peut financer une société à travers du concours actionnaire ou des obligations convertibles en actions. Ce sont des instruments qu'on utilise pour financer le pôle bilan. Les banques sont appelées à financer le bas de bilan, puisqu'il y a des emprunts et des crédits à moyen court terme pour les crédits de gestion. La CDC de gestion influence le haut de bilan. Notre présence est limitée dans le temps. On finance des projets encore une certaine durée, généralement selon les types de projets. Pour les projets innovants, c'est entre 3 et 5 ans. Mais la moyenne, c'est entre, pour les projets industriels, c'est entre 5 et 7 ans parce que nous avons la contrainte de la durée du monde des fonds qu'on jette. On détient une participation à terme. Oui, à la fin, on vend cette participation. On la vend au promoteur, au porteur du projet, on la vend sur, en cas d'introduction sur en bourse, sur le marché financier, ou on la vend à notre investisseur qui souhaite acheter ou prendre une participation dans cette société. Donc, pour résumer, la CDC Gestion, elle finance le haut de bilan, c'est-à-dire le capital propre, elle détient des actions et à la fin, elle vend ses actions. C'est ça notre métier.